Bonjour, nous allons démarrer l'analyse du CAC 40 du 26 août 2020. Donc, le CAC 40, toujours acheteur. Donc, pour ceux qui ont été stoppés, hein, on peut encore rentrer dans le marché, hein, vu que la bougie verte là d'aujourd'hui a bien avalé le corps de la bougie rouge d'hier. Pour ceux qui préfèrent attendre, c'est pas plus mal non plus. Moi, je suis rentré ce matin, vu l'évolution des choses. On voit que le Directional Index Mouvement est toujours acheteur, la moyenne de 12 aussi. Donc, belle journée. On peut rester en pause. En tout cas, moi, je vais rester en pause. Sinon, au niveau des valeurs, de spécial, hein. Une petite hausse sur AXA, on a une hausse sur Clarion, sur le marché américain, Celsius, BlackRock, Berkshire Hathaway monte aussi, voilà, Total, une petite hausse aussi, Coca-Cola aussi, donc une belle journée, hein. J'ai été stoppé sur Mondelez, je vais attendre de voir, hein. Je vous avais conseillé cette valeur à l'achat comme poulet de louer LDC et puis toutes les autres, hein, que vous voyez affichées. Donc on reste en pause pour ce que vous avez en position. Sinon on va aller voir sur deux giro, voilà. En fait, donc j'ai acheté ce matin, on a des trackers en pause. On voit qu'il ne nous reste plus que des valeurs américaines, sauf Clarion qui est en bénéfice. J'ai pas encore mis de stop sur Clarion. Il va falloir que je le fasse d'ailleurs demain matin à l'occasion. Voilà, donc sinon, le CAC acheteur, je vous souhaite une bonne... donc je répète, un acheteur jusqu'à ce que Directional Index Mouvement croise. Et dans ce cas-là, on passera vendeur. C'est bien parti pour rester acheteur a priori. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Au revoir.